Bonjour, c'est Renok. Bon, maintenant qu'on a un petit peu d'uranium, j'ai déjà un stack là. Ce qui se passe, c'est que je voudrais me faire le rotor pour ma windmill. Et ce qui se passe, c'est que pour faire des rotors avec la windmill, on va avoir besoin donc d'un carbone rotor. Et de là, il me faut du carbon plate. Et vu que j'ai un petit goulot d'étranglement avec mon système là et compagnie, et que bon, ça me prend un peu la tête, puis surtout que je voudrais me faire d'autres éoliennes, hein, tant qu'à faire, ce que je prévoyais de faire aujourd'hui, c'était de me faire une petite machine qui allait donc me produire du carbon plate en quantité, du moins qui veille à ce que j'ai un certain nombre de carbon plates dans mon inventaire, enfin dans Jarvis, de façon à plus être bloqué dès que je veux crafter quelque chose avec du carbon plate. Voilà. Donc là, j'ai lancé le craft d'un furnace que je dois avoir. Furnace. Ok, donc un automatique e-furnace. Vous pouvez faire ça avec un autre four, mais là, je vais rester avec, des EU. Ce qu'il va me falloir aussi, c'est un macérator, mais je crois que j'en ai un qui se promène par là. Ouais, il n'a pas d'upgrade, c'est très bien. Je vais avoir besoin d'un Wearmill aussi. Alors ça, c'est merci GregTech. On verra ensemble une alternative si vous n'avez pas GregTech. D'ailleurs, en parlant d'alternative, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, stick, j'ai du stick. On va se faire 1, 2, 3, 4. On va se faire 1, 2, 3, 4. 4 engrenages. Hop. Craft, est-ce que j'ai une table de craft qui se promène? Sait-on jamais. J'ai pas de table de craft, mais je peux lui en demander de m'en crafter une. Voilà, donc on a une table de craft, on met 4 engrenages. Hop, et on a une automatique workbench. Ok, ma wearmill, elle en est où? Ma wearmill, hop, ça bug quelque part, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, ça bug pas, mais voilà, comme on peut le voir, il y a du goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il nous faut de l'Advanced Dial qui prend le compresseur et le Carbon Plate qui prend également le compresseur et donc ça chipote. Ok, pendant ce temps-là, ce qu'on va lui demander, c'est de nous faire aussi également un petit compresseur et tant qu'à faire, on va faire un automatique. Voilà, là au moins ça c'est rapide. Ok, il ne reste plus qu'à avoir notre fameux Wearmill. Quoique, pendant que ça se craft, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire la recette de l'iridium à la haut, vu qu'on va en avoir besoin. Il me faut obligatoirement de l'industrial. On peut pas lui donner du... Non, il veut absolument de l'industrial. D'accord. Et l'industrial, ouais, c'est une compile de ça, mais ça, il doit savoir le faire, non? Sait-il le faire? On en a un rab et il sait le faire, donc ça pose pas de problème. Donc on peut encoder ça, pim. Voilà, et on peut, hop, pendant ce temps-là, lui mettre... où c'est que j'ai de la place? Ça commence à bien se remplir, hein. J'aurais pas aimé le mettre là-dedans. Peut-être falloir que je rajoute des pages, je vais le mettre là-dedans. Voilà, non, pas ici, là. Je vais pouvoir lui en demander, parce que ça m'en donne qu'un à chaque fois, je suppose. Ça m'en donne qu'un à chaque fois. Ok, donc je vais pouvoir lui en demander au moins 4, histoire qu'on puisse... Iridium, pim, je lui donne l'iridium ici, et on va lui en demander 4 aussi. Ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir aussi le compresseur. Donc il va falloir que je me fasse un compresseur overbook... ah, il sait pas faire les iron plates. Bah alors Jarvis, tu sais plus grand chose là. Voilà, je le laisse un peu de côté, il sait plus comment faire. L'iridium... Non, on peut le faire cuire, peu importe, dans un four. Ok, donc est-ce qu'il sait faire de l'iridium ingo au moins? Il sait même pas faire de l'iridium ingo. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire. On va cuire, alors lui, est-ce qu'il sait cuire? Il sait cuire, ok, donne-moi ça, hop. On va récupérer un iridium ici. Voilà, hop, hop, on se fait notre recette. Clear. De l'iridium. Ah ouais, ça me donne un lingot, j'encode, hop. Hop, je lui rends son iridium. Je vais sûrement avoir besoin du lingot. Est-ce que j'ai de la place là? J'ai de la place là, on va lui dire ici. Et plate. J'ai dit que les plates c'était avec la plate binding machine, c'est ça? Eh bien, on fait U, hein. Tac, macérator, ça m'intéresse pas, pulvé non plus, plate bending machine. Ok, donc une plate bending machine, on en a une ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plate.
On va lui demander, j'aurais dû, et voilà, l'erreur. Méridium, on va lui demander un lingot. Hop. Et on va récupérer, si ce n'est pas encore fait. J'en ai pas une de booster de... Ah non, c'est l'Assembly Machine que j'en avais. J'en avais une de booster. Je peux l'attraper. Je l'attrape. Ok. Hop, hop. L'iridium. Hop. Allez, un lingot, une plaque. Un lingot. Une plaque. On encode. Hop. Ouf. Ben, ça... Dernière place. Ok. Hop, on met tout ça là-dedans. Alors maintenant, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Yes, c'est en train de se faire. Super. Où en est mon Wyrmill? Mon Wyrmill est terminé. Donc, est-ce que j'ai du... Peu. J'en ai peu. J'en ai peu, j'en ai peu. Fib. Fib, fib, fib. Tu veux m'en faire un stack. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rejoindre dans le bâtiment de la Roanoke Corp. Magnifique, quand j'arrive, un creeper, super, super, il m'a pété tous mes câbles, ah, ME, ça va, j'en ai encore là, hop, je vais pouvoir refaire la jonction, c'est magnifique, pim, 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 voilà, ok, donc ce que je vais faire, c'est que ma machine, je vais l'installer gentiment, ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Parce que pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas... Ah, seulement? Ouais, pour tout vous dire, j'ai eu un petit souci avec Jarvis, parce qu'en fait, j'ai un petit souci avec mes lingots de yellowrite. Ce qui se passe, c'est qu'un coup, il me fait avec la poudre de yellowrite, un coup, il me fait du... Suivant comment le serveur redémarre, un coup, il me fait un... Ah, c'est moche, ça. Un coup, il me fait du lingot de yellowrite, un coup, il me fait du lingot d'uranium. Et ça, mon Big Reactor, bah, il aime pas bien. C'est... Voilà. Donc, suivant les reboots, ça, voilà, ça passe pas bien. Et du coup, bah, voilà, Jarvis s'est arrêté. Et Mass Fabricator n'a pas été alimenté en énergie. Et en plus de ça, on a le rotor, le premier rotor que j'ai mis là-bas, qui est complètement explosé. Donc, du coup, ça marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener de l'énergie. Je vais ramener de l'énergie. Je vais ramener de l'énergie ici. Je vais tirer la lime. Hop, je vais tirer la lime, mais ça, je vais faire ça, hors caméra, à la limite. Je vais tirer mon alim ici, comme d'hab, et on va pouvoir commencer à installer les machines. La limite, ce que je ferai, c'est que je tirerai l'énergie après. On va les aligner ici, admettons. Ok, disons que je mets mon câble d'alim ici. Ok, on va commencer à poser nos machines. Voilà, ok. Donc, comment je vois la chose? Comment je vois la chose? Ben, la chose, je la vois plutôt simplement... Ce qui veut dire qu'on va transformer notre bois en charcoal. Hop, il me faut... Est-ce que j'ai mon electric wrench? J'ai pas d'electric wrench. Ah, si, quand même. Ok, donc là, je vais mettre la sortie. Je vais configurer la sortie ici, d'accord? De là, j'active la sortie automatique du four. Donc de là, je vais l'approvisionner en bois. Ensuite, le charcoal va être envoyé, hop, dans le macérateur. Le macérateur, pim, sorti ici. Le macérateur va me transformer le charcoal en poudre de charcoal. En sortie, je lui mets le windmill. Comme on sait, le windmill pour 8 poudres de charcoal, il nous fait un genre de système de carbone de schmolt. Et c'est là que je vais pouvoir mettre mon auto workbench. Voilà. Ici. Ok. Et de là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre fibre. Est-ce que j'en ai de ça? J'en ai, super. Donc je vais en prendre deux, voilà. Et je vais les mettre comme ça. Pim, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous, normalement, le système peut fonctionner si vous n'avez pas de Wyrmill, que vous n'avez pas Greg Tech. Vous pouvez donc transformer, mais je pense pas que le charcoal... Avant de dire une bêtise, je préfère vérifier. Encore que, vu que j'ai Greg Tech, lui, il est capable de le faire avec du charcoal, mais... pulvériser de colle, colle power. Ah, vous pouvez pas le faire avec du... D'accord, donc c'est uniquement si vous avez Greg Tech. Ok, au moins ça vous montre la possibilité, enfin l'utilité de Greg Tech, enfin. Parce que c'est vrai que jusque-là, ça a mis à part compliqué les recettes, ça a posé des petits soucis.
Alors que là, au moins, on voit exactement ce qui se passe. Ok, donc de là, hop, je mets à la fin. Donc lui, il va me faire des carbone mèches. Les carbone mèches, une fois qu'on les compresse, me donnent des carbone plates. Voilà. Donc ensuite, vous allez me dire, « Ouais, mais Renaud, comment tu extrais ?» Eh bien, tout simplement, je vais extraire ici derrière. Hop. Je vais extraire, hop, ici. Donc là, je passe en extract. Et ici, je passe en insert. Voilà. Hop, et de là, on va avoir un système, je mets du bois d'un côté, et de l'autre, je récupère du carbon plate, sans forcément, on va demander à Jarvis, sans forcément avoir, pardon, avoir besoin de mettre 50 items de Jarvis, même à la limite, je peux même mettre un basique. Je peux même mettre un basique. Ouais, je vais mettre un basique plutôt. Vu que de toute façon, je ne vais pas être très pressé. Voilà, je vais mettre un basique, plutôt. Est-ce que j'ai un système lever? J'ai pas appris à Jarvis. Ok, on va faire un aussi. On va finaliser le truc. Donc de là, ce qu'on va faire, je peux récupérer aussi un petit. J'ai pas besoin d'un gros. Pourquoi je mets des petits? Parce que ça consomme moins d'énergie et que, vu la vitesse où ça va, j'ai pas forcément besoin d'avoir plus. Ok, donc l'export, il doit être... pas prêt, ok. Ce que je voudrais lui apprendre, ce que je voudrais me faire, c'est un émetteur. Ok, donc je voudrais me faire une bestiole comme ça. Il me faut un basique, ok. Donc un basique carbone machin. Est-ce qu'il a? Si je fais ça et ça, ok. Donc il va me manquer un basique. Hop, crafte-moi un basique. Ok, et je vais avoir besoin d'une torche de redstone. Ok, donc on va lui demander... stick, à la limite j'aurais pu faire ça, voilà, hop, une torche de redstone, et il traîne un peu au niveau du basique. Est-ce que j'avais pas fait un, yes, j'avais fait un monitor crafter, c'est vrai qu'il y a plein de choses là, on va arrêter le précision export, celui-là, on va l'arrêter, ok, et on va attendre un petit peu que tout ça se crafte. Bon, tout a l'air d'être crafté, je peux me faire mon level limiteur. Je vais récupérer aussi de quoi, hop, alimenter, j'ai demandé pendant que j'y étais, hop, de me crafter ça. Et il me faut aussi les, si je dis port, voilà, l'export, l'import, nickel, donc il va me falloir aussi du bois. Ouf, ouais. J'ai du bois, oui, mais pas du comme ça. Ok, et... pim, pim, pim. À la limite, je pourrais même... ouais. Ouais, c'est pas grave. Ok. Donc, j'en ai profité pendant que... Parce que vous imaginez bien que ça a pris un petit peu de temps. J'en ai profité pour, hop, tirer un câble ici. Donc de là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre mon système, hop, d'alimentation. Hop, hop. C'est vrai que ça fait beaucoup de beaucoup de systèmes d'alim quand même. Non, c'est une entrée, 50 sorties. Ok, à la limite, je dois pouvoir le tourner. Je dois pas pouvoir le tourner. L'électric wrench, elle est où? Je l'ai... Ah non, j'allais dire, je l'ai rangé. Là. Voilà. Ensuite, hop, ici. Et ensuite, je sais jamais si ça va être bon. Ok, et là, je mets mon alim. Ok. De là, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Ensuite, ce qu'il va me falloir, c'est un export bus sur lequel je vais faire pointer un level limiteur. Ok. Et au bout, je vais récupérer le, hop, le résultat, c'est-à-dire les carbon plates, je vais les récupérer ici. D'accord. Je vais, hop, tant qu'à faire, j'ai du Jarvis qui se promène là. On va tirer directement du Jarvis ici. Il va arriver d'où? On va le faire descendre, on va voir d'où il arrive déjà. Nickel, il arrive de là, hop, et il faut le relier ici. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà dire ici, tu envoies dans la machine du bois. Donc là, ça marche. Donc la machine va me faire du charcoal, comme je le disais. Elle va automatiquement, et j'ai oublié d'activer ça, et j'ai oublié d'activer ça, voilà. Donc elle va automatiquement envoyer le charcoal dans mon macérateur, qui va en faire de la poudre, comme je le disais, et qui va me faire ça, tout ça. Ce qu'il me faudrait, ce que j'aimerais avoir, c'est en fait, carbone, je dois en avoir deux ici, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir me faire, hop, directement un raw machin, que je vais mettre dans le compresseur ici,
le compresseur va compresser ça et va me faire de la carbon plate. La carbon plate, je vais la récupérer, voilà, et je vais la mettre ici dans mon level émetteur en lui disant, et c'est pas un basique parce que le basique il fait pas. Ah, j'avais oublié ça. Ok, il va me falloir dans tous les cas un précision. Ok, donc je vais remettre ça dans le Jarvis. Hop, et je vais lui demander un export bus, un précision. Il est vrai que j'avais oublié cette, petit souci. Et donc de là, on va lui dire... voilà, donc là, on va pas toucher en fait. Et ici, on va régler à 1024. Ce qui veut dire qu'on va lui dire, à partir du moment où tu as 1024 carbone, tu émets un signal de redstone. D'accord ? Et hop, je vais récupérer mon export, s'il est fini. Il est fini, donc de là, hop. Et lui, on va lui dire, tu fonctionnes. Alors normalement, il le sait déjà. Oh non. On va lui dire, active without signal. Ok, et on va le laisser en move single, de façon à ce que quand le signal s'allume, il n'y ait pas 3 millions de... Ouais, ok. J'ai rien dit. Ok, donc de tous les cas, j'aurai un petit rab. J'aurai quand même un petit rab. Alors ce que je pourrais faire, c'est me dire que... 8 x 8, 64. 8, 8, 8, 16, 16. Ça voudrait dire que si je retire ici 16, c'est-à-dire que si je mets 1008, si je dis pas d'erreur, si je dis à partir du moment où on a 1008, tu mets un signal de redstone. Ça veut dire que normalement, vu qu'il va y avoir deux stacks ici qui vont continuer à se produire, arrivé au bout, une fois qu'il aura consommé les deux stacks ici, ça me fera les 1024. Bon, après, c'est chipoté pour juste dire j'ai pile poil 1024 carbon plate dans le système. Dans tous les cas, dès que je vais consommer un carbon plate, il va me re-remplir la machine et donc de là, j'aurai jamais, j'aurai toujours un peu plus que. Ah non, 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 je dirais n'importe quoi. Non, non, bien au contraire. Si j'en commande, ça fera 1023 et il n'activera pas la machine. Il l'activera qu'à partir du moment où il a 1008. Voilà. Alors pourquoi 1024, pourquoi j'en veux 1024? C'est tout simplement pour pouvoir automatiser le fait d'avoir, comment dire, donc là ça fonctionne, d'avoir, ah dites-moi, je vous le dirai après, de pouvoir faire une windmill, une éolienne sans attendre 50 ans qui me produise les carbon plates. Voilà, comme ça moi ça me permettra d'en avoir, de pouvoir en crafter. D'être autonome en termes d'énergie. Voilà. Mais écoutez, un petit système bien sympathique, bien compact, bien automatique, qui peut être sympa au niveau de bah, du Jarvis 2, hein, de la Pléiade 2, parce que effectivement, finalement, si on avait voulu automatiser tout ça à chaque fois en mettant un export bus, un import bus, un export bus, un export bus, serait consommé pas mal de Chanel. Mais ça, on verra ça. Hein. Ensemble sur l'autre let's play. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit j'aime si c'est le cas sera super gentil. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, au revoir.